comment on se sent avant d'affronter le PSG, ce PSG-là? Bah écoutez, je pense que c'est. Même s'ils ont des grands joueurs, je pense que c'est un match, ça reste un match de football. Donc voilà, on essaie de le préparer du mieux possible et essayer d'aller chercher quelque chose. Bah franchement, je dirais plus tant mieux pour nous, hein, parce que c'est quand même Messi et voilà. C'est une absence qui va peser dans cette équipe, même s'ils ont. Ils ont d'autres joueurs pour le remplacer. Mais voilà, après, peu importe qui joue, je pense que c'est pas vraiment notre souci. Si on joue bien, je pense qu'on peut aller chercher quelque chose là-bas. Bah, dans la préparation, je pense que ça reste la même. Après, c'est vrai qu'on sait qu'on va moins avoir le ballon, forcément. Et voilà, va falloir s'adapter et bien jouer les opportunités qu'on va avoir. Bah, c'est vrai que les derniers matchs qu'on a fait là-bas, on a souvent pris beaucoup de buts. Et voilà, faudra montrer un autre visage demain. Est-ce que la dernière fois que vous avez croisé le PSG, c'était la demi-finale de Coupe de France ici à Montpellier? Est-ce qu'il y avait un petit sentiment de revanche, forcément, avant de recroiser Paris? Revanche, je dirais oui et non, parce que ouais, c'est sûr qu'on veut tous gagner le match. Et après voilà, c'était la coupe de France. On avait une possibilité d'aller en finale, malheureusement on a perdu au tir au but. Et voilà, ça va être un tout autre match demain et on va voir comment ça va se passer. Bah écoutez, moi personnellement ça va, je me sens bien. C'était un peu compliqué avec la période qui est passée. Et voilà, maintenant, c'est derrière moi et on est reparti pour une nouvelle saison. Ouais, un peu tout, mercato, début de saison, c'est toujours difficile de revenir et d'être bien dans sa tête. Donc voilà, maintenant on est reparti. Bah, on va pas se le cacher, je pense que oui. Après voilà, ça fait partie du football et je suis très heureux d'être ici, de continuer avec Montpellier et on va voir ce qui se passe par la suite. Bah ça change pas vraiment grand chose. Après c'est vrai que je pense qu'on prend plus de risques en jouant au ballon, en partant de derrière. Et voilà, moi c'est ça m'arrange parce que j'aime bien prendre des risques et c'est la nature de mon jeu. Dans le rythme, non, je pense pas. Après, je pense qu'il faut rester soi-même, faut jouer, faut prendre match par match. Et voilà, continuer à progresser, aller de l'avant et faire du mieux qu'on peut.